Salut tout le monde, c'est Darker76 et je suis en compagnie de Difiel. Alors on va faire une petite vidéo, puisque hier la 1.3 est sortie, donc il y a les souris et les nounours. Donc là c'est pour l'instant on va vous présenter les souris. Et je pense qu'on va faire les ours dans la même vidéo, non? Bah c'est comme tu veux, si tu veux je peux me créer un ours pour la vidéo. Non c'est bon, je vais continuer comme ça. Alors, la souris, on a le choix pour les visages, la peau et les yeux. Donc, je vais voir ce que ça donne. Moi, je n'ai pas encore regardé. En fait, visage, ça change juste l'expression des yeux, en fait, finalement. Bah, comme pour les humains. Ils ont des yeux bizarres, enfin bref. Bah, la peau. Il y en a quand même une dizaine de peaux, en fait. Ah bon, t'as quoi comme couleur? Ouais, attends, je recommence à zéro. Alors, il y a bleu. Marron clair, enfin limite beige quoi. Vert cacadois, très joli. Marron. Alors là, ça se rapproche du violet rose. Alors voilà, là, c'est bleu ciel, attention, c'est fashion. Là, ça se rapproche du rouge. Là, jaune. Ah, jaune, cool. Noir. Et ah non, ah bah tiens, si je me prends une souris, elle sera noire. Et blanc. Ensuite, les yeux, ça fait les yeux basiques, quoi. Après, c'est les yeux blancs. Ah, une aveugle. Je vois pas la différence entre 1 et 3. Bah, 3. Moi non plus. 3 est un tout petit peu plus sombre. Après, c'est orange, plus clair, vert, bleu, vert foncé... Enfin bref. Bah ils ont des yeux tout simples quoi. Quand en fait ils ont à peu près la même couleur que tous les personnages en fait. Ouais bah enfin à mon avis c'est juste l'apparence qui change sinon. Ouais ouais bah après c'est les classes, ils ont les mêmes fringues. Les fringues t'as quoi comme fringues? Bah les fringues quand tu choisis la classe là. Ouais. Elles sont bien? Chaman ça leur va pas du tout mais voleur ça fait bien. Attends, ouais ça va faire classe avec le foulard sur la bouche et tout. Ah attends. C'est pas les mêmes tout le temps les mêmes vêtements, le casque il est complètement différent. Et le casque il change j'ai l'impression. Ouais. Enfin pas toujours. Ah. Il change de temps en temps le casque. Et il est déjà beaucoup plus... Je trouve il est mieux en chevalier pour les souris. Qui... Ça s'appelle les zoomies. Voilà les zoomies. Les soumis. Ouais voilà. Et ben, je regarderai ça quand... Je suis un troubadour. Faut vraiment que j'aille vendre du stuff moi parce que là il y en a vraiment trop. Il y a un vendeur ici. Tu peux éviter de parler de ce que t'es en train de faire, on s'en fout là, je suis en pleine vidéo très importante. Là. Bon là je vais me regarder un petit film pour adultes, hein. Donc au revoir tout le monde. Tu parles de Harry Potter, non? Harry Potter. Ouais, je vais pas te montrer. Attends, je vais passer aux ours. Ouais, c'est pas la même taille. Ah tu m'étonnes. Alors attention. Un ours peut marcher sur une souris sans faire exprès. Attends, ça s'appelle des ursons. Oh. Alors, on va voir. Et... Ouais, c'est bien ce que je pensais, la souris a fait la taille de la jambe de l'ours en fait. Au fait, t'as besoin d'un bouclier de bénédiction? Ou je peux le vendre? J'ai besoin de rien. Envie de toi. Dites-moi que... Donc, si vous voulez vous cacher dans les herbes, etc. et être discret, prenez un ours voleur. Hein. Comme ça se verra pas du tout.
Si vous avez, si vous voulez imiter le Père Noël en bleu, vous prenez Claire. Sérieux là? Quoique ça ressemble pas à grand chose en fait. C'est indescriptible. Enfin bref. Mage, ça va, ça fait genre. Ouais, bof. Illusionniste, ça va, ça fait un peu con, mais c'est marrant. Barde, ouais, ça va, ça le fait. Et là, c'est ce que je voulais faire. Assassin, ouais, ça va, ça fait un peu le mec, le mercenaire. Assassin. Alors, le chapeau du chevalier, ça lui va pas du tout. Il ressemble un peu à Ki-Adi Mundi dans Star Wars. On voit pas qui c'est. Tu regarderas. Templier, ça va encore. Alors là, si vous voulez être engagé dans un cirque, prenez ça. Hein. Pourquoi ça ressemble à quoi? Dans Slam pour l'ours. Corsaire, il a trop la classe, je trouve. Chaman pur primitif. Hein. Les démonistes, ça va, ça fait genre. Et attends, je trouve il fait mieux démoniste sans le chapeau par contre là. Et mais tu se préfères avec, mais avec l'ours, c'est bizarre. Ça lui va pas, le chapeau. Non. Bah voilà, en fait on avait que ça à montrer. Ah oui, 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 oui. Oh. C'est juste pour vous montrer. Ah ouais, lundi il y a Indiana Jones. Bon, passons. Là. Oh, très beau. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'on n'arrive pas au même endroit. Petit temps de chargement. Bon bah tout le monde a plus tout le monde hein. Pourquoi? Non non mais je suis en train de montrer les lieux là. Ah tu montes les lieux. Alors en fait on commence dans cette carte là qui se trouve bah là. Et en fait ouais, une fois qu'on aura fini cet endroit là, on pourra prendre le téléporteur qui est là et au final on revient à Colline Tranquille, donc au final dans ce cas là. On sera à portée là, donc au final la deuxième map c'est la même pour tout le monde, c'est juste la première qui diffère en fonction de notre race. Je sais pas du tout où est-ce que ça atterrit en zoom. Je vais voir ça. Ah oui oui oui, ça atterrit sur l'autre île, faudra prendre le bateau. Apparemment. Le bateau? Ouais, on n'est pas sur la même île au début. Si tu le dis. Tu montes pour quoi déjà là? Là je vais faire un beau bonhomme. Avec un nom original. Azerty. Vallée de Ferregal. Vallée Ferregal, pardon. Waouh, magnifique. Et je suis sur l'autre continent. Pour l'instant, il n'y a que deux continents qui sont libres. Et au final, on arrivera encore une fois à Colline Tranquille. Donc le bateau va faire tout le tour de l'île pour arriver là. Voilà. En fait, c'est automatique. On parle à un mec et pouf, on apparaît. Je pense que je vais le garder, ce perso-là. Il s'appelle Rangrou. J'avoue que c'est une possibilité qui est fortement envisageable. Ou alors je le supprime, j'ai dit. Bon, on va se dire... Non, garde-le, il a la classe. On va se dire ciao sur cette déconnexion.